Hey, salut bande de chips! Voici le premier réservoir 100% fait maison de la Secret Team. Petit pain look absolument extraordinaire. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai d'abord acheté des bouts de tube qui font 89 mm de diamètre, 2. Et ne trouvant pas de tube droit, j'ai acheté un coude qui va avec. J'ai soudé, j'ai meulé, et ensuite, pour le bouchon, j'ai acheté un bouchon de tube de chauffagiste. C'est vrai, mise au point. Voilà, donc un bouchon de tube de chauffagiste, 3/4 pouce. Et un demi-manchon 3/4 pouce qui va avec. Hop. Que j'ai soudé. J'ai meulé tout ça. J'ai peint. Bon, je vous passe les détails de la peinture, c'est un peu compliqué. Et pour le dessous, j'ai repris le système que j'avais sur l'ancien réservoir du coffret, qui est donc ce véhicule, qui est tout bêtement une vis passée autour pour pouvoir emmancher le tube et percer en son centre, et puis ensuite de joint. Voilà. Et ça donne cette espèce de chose un peu étrange que je ne peux pas remplir à fond puisqu'il y a des bulles qui se forment, mais je vais réussir à récupérer quasiment la totalité de l'essence, il n'y aura pas de résidu. Et puis bon, c'est un look vachement simple. L'idée, c'est que sur ce véhicule, quand il se renverse, il tombe sur le réservoir, et l'ancien réservoir qui était complètement un ancien bidon d'huile, je l'avais un peu pulvérisé. Voilà, à plus.